tourment. C'est un challenge qui comprend une grande roue. Une grande, grande roue mystérieuse. Et aussi plein d'ingrédients pour faire du slime. Et comment ça s'appelle les loulous alors? J'arrive pas à le prononcer, du coup c'est maman qui va dire. Ah d'accord, c'est moi qui m'y colle pour le super nom de ce challenge, qui est super difficile à prononcer. Donc on y va. Alors c'est le Mystery Wheel of Slime Challenge. Rien que ça. Alors vous savez ce que c'est ce challenge un peu? Non. Non? Non, bon, j'ai pas regardé. Ah si! T'as pas regardé sur YouTube, toi, tu t'es pas spoilé? Et toi, t'as regardé? Non, je n'ai pas regardé, mais je sais ce que c'est. En fait, on aura des choses, on a une roue, et on devra tirer la roue. Et par exemple, ça tombe sur de la peinture. Du coup, on commence par la peinture et on met dans notre bol. Après, par la colle, on met la colle. Après, par les perles, on met les perles et ainsi de suite. Et après, avec tout ça, tous les ingrédients que nous aurons dans notre bol, ça peut faire du slime. Il est possible, oui, que ça fasse du slime. Alors, les amis, si on met de la colle avec du borax, ça fait du slime. Plein d'ingrédients devant nous, donc on a notamment des zorbies, des paillettes, ouais, aussi des perles, des perles là-bas, oui, de la mousse à raser, parce qu'on va faire un fluffy peut-être, et de la colle blanche, de la colle transparente, de la peinture jaune. De la peinture rose et de la peinture bleue avec de l'éponge. Des éponges. Alors, c'est tout ce qu'on a? Eh bien, ça fait déjà pas mal. Hein. Et les paillettes, on a du rose, du argenté, du bleu foncé avec du doré. Ok. Bon, ben, ça fait pas mal. Hein. Donc, en fait, les amis, tous ces ingrédients vont être représentés sur la roue. Et on va tirer. Et aléatoirement, il faudra mettre les ingrédients dans notre bol. Et bien sûr, il faudra essayer de réaliser un slime. Celui qui aura le plus beau slime à la fin aura gagné. Il est possible qu'on n'ait pas de slime parce que si on ne tombe pas sur quoi? Sur la colle et le borax. Mais le borax, on a oublié de le dire. Oh, bah c'est pas grave, le borax, c'est normal. Voilà. Et du borax, les amis. Et si on ne tombe pas sur borax, eh bien, ce n'est pas possible de faire du slime. Et aussi, comme ustensile, on n'a pas pris de fourchette ou de cuillère, mais on a pris une spatule avec un bol. Okay. Et si tu as que des décorations. Merci pour cette petite précision, Océane, c'était très important pour le challenge. Alors, les loulous, vous aurez 10 fois à tourner la roue chacun, d'accord? Sur les 10 fois, j'espère que vous aurez chacun la colle et le borax, sinon ce ne sera pas possible de faire du slime. Donc on se retrouve tout de suite avec la roue. On est en place, ça y est, on a la grosse roue qui est derrière nous. Donc là c'est parti, mais avant de tourner la roue, d'ailleurs c'est maman qui va actionner la roue en appuyant sur un petit bouton magique. Mais pour commencer, il va falloir désigner le premier. Alors comment on fait, un petit Shifumi? Oui. Shifumi. Shifumi. Coucou. Ah, ben c'est les ciseaux contre la feuille. C'est Océane qui commence. Donc à ton top, je lancerai la roue. Top. Oui, avec du blanc, ça fait du rose. C'est ça, parce que la dernière fois, tu as utilisé dans du blanc et ça faisait du rose. Donc, on y va. Donc, premier ingrédient pour Océane, de la peinture rouge. Donc, vas-y. Après, t'as pas besoin d'en remettre. Bon, c'est bon, ouais. 4, ouais, okay. Ça suffira, je pense. Donc, c'est parti, on continue avec Corentin qui va me dire top. Top. Et ce sont des paillettes
argentées. Des baguettes argentées pour Corentin. Donc je vais t'ouvrir, Loulou. Elles sont ici. Et voici. Donc là, je vais les ouvrir. On a tous les deux des trucs qui servent. Hop. Mais peut-être pas tout dedans, t'en mets un petit peu. Juste un tout petit peu. Alors pour le moment, oui, on fait la déco du slime, on va dire. Donc vas-y. On met quand même un peu, hein. Allez, Loulou! On fait pas un diamond slime, hein. Non, on fait pas un diamond slime, non. Imagine, ça, on y arrive à en faire un. C'est bon? Ouais? Ok. Bon, bah, tu peux le mettre de côté. Donc diamond slime. Ouais, ça fait très très joli, hein. Ah, t'as vu? Alors, on continue avec Océane. Donc, quand tu veux, tu me dis top! Top! Des éponges. Donc tiens, tu peux mettre un petit peu l'éponge dans ta préparation. Ça va faire un slime squishy. Voilà, c'est ça. Oh vas-y, mets-en une poignée quand même. Oh. Une belle poignée d'éponge, encore un peu. Oh, peut-être pas tout, voilà, c'est bon, on va en laisser parce qu'on ne sait jamais que Corentin tombe dessus. Ok, donc là c'était le deuxième tour, donc à Corentin de faire son deuxième tour. Tu me dis top quand tu veux. Top. Et décidément, des paillettes roses. Des paillettes. Encore des paillettes pour Corentin, donc on y va. Donc voici les paillettes roses. Donc, j'ai envie d'avoir des paillettes roses, moi aussi. Bah pour le moment, t'as que des éponges. Voilà. Et de la peinture rouge. Si t'as de la colle blanche, ça fera du rose. Et moi, si j'ai de la colle, je suis bien partie. On va faire un diamond slime. Bleu, argent, ça se marie bien. C'est bon. Super. J'en ai mis moins pour qu'au moins on voit un peu les deux, quoi. Comme j'ai envie d'avoir comme là, tu sais, j'ai que des paillettes. Donc c'est la fin de la deuxième manche. Donc là, c'est parti pour la manche numéro 3. Alors, on s'arrête quand tu veux. Ok. Il faut de la colle. Il te faut de la colle et tu pourras avoir un slime. Non, parce que si elle n'a pas de borax. Ah bah oui. Colle et borax et après donc c'est là, bon. Tiens, je t'ai secoué. Tu peux mettre de la mousse à raser. Ça va faire un truc ridicule. Un fluffy squishy machin. Oh putain. Allez, vas-y. T'en mets autant que tu veux. Je pense que c'est bon là, c'est bon. On fait pincer Mix XL. Donc c'est bon, on a mis la mousse à raser. Elle tombe bien, ça dure quand la hauteur de la mousse. Moi je te fais le ruby slime. À toi, Loulou. Top. Peinture rouge. Il a que les couleurs qui sont colorées en fait. Il a que les couleurs qui sont colorées, oui, tout à fait. Les couleurs sont colorées. Bon, on va voir ce que ça donne avec les paillettes. Hein. Peinture et paillettes. Je sais pas trop. Hein. Ouais. Oh, super. Ouais. Donc là, on va entamer le tournage de roue, n'importe quoi. Numéro 4. Alors, Océane, quand tu veux, tu me dis top. Top. J'ai pas de colle. Je pense pas que c'est ta colle. Moi aussi, ça doit être de la chance. Orbis pour Océane. Alors, elle va te faire le truc sans colle, tu sais. Les Orbis. Sont là, donc les voici.
pour toi. Donc vas-y, maison poignée. Belle poignée quand même. Attends, je vais voir ce que c'est. Faut que je glisse. Waouh, c'est joli, les orbites dedans. Dans la mousse à raser, c'est super joli. Pouf. On dirait des gâteaux. Alors toi, c'est un squishy. Squishy, orbizy, je sais pas quoi. Je pense que ça va aller, louloute, parce que de toute manière, les orbites ils vont sauter dans tous les sens. Parce qu'ils n'adhèrent pas dans le slime. Et oui, les orbites, ça n'adhère pas. Donc, on continue avec Corentin. Donc, on tourne la roue quand? Oui, maintenant. Ouais, top. Allez, la colle, la colle. Perle à ma. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors bon, c'est que la quatrième, on n'est même pas au milieu. Donc voici pour Corentin. Alors les perles à ma, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites perles à repasser. Ben, tu peux en mettre à l'intérieur. Alors ça fera un crunchy slime du coup. Un crunchy. Faut pas non plus que ce soit trop crunchy. Bon, pas trop crunchy. Ok, bon, on met ça de côté. Moyen crunchy. Donc, on continue avec le cinquième lancer de roue. Alors, Océane. Colle transparente. Yeah, j'ai eu de la colle. Avec la mousse à raser, j'espère que ça y aille. J'ai eu du bol. Bah si, c'est de la colle quand même. Bon, tiens ma louloute, de la colle transparente. J'ai eu du bol. Hein. Alors tiens le bouchon, tiens. Ouais, non, c'est bon. Vas-y. Je peux en mettre. C'est bon, Oyo. Après, on ne sait même pas si on a assez de borax. Ok, bon. Bah, de toute manière, t'inquiète pas, on a encore de la colle hein, de côté. Hein. Ah, d'accord. Tu peux y aller, hein, c'est pas grave. Hein. Non, mais après, j'ai de la colle. Corentin, avec la manche numéro 5, donc c'est à toi de continuer. Top. Pas de colle. Mais moi, ça, il faut tomber sur le borax aussi. Oh, bah, décidément, paillettes dorées. Mais... Ça va être un slime pailleté, toi. Il a eu presque toutes les paillettes. Presque toutes, il manque plus que les bleus, et c'est bon. Tu les auras toutes eues. Tiens, mon loulou. Je suis dingue. Et Océane, ça l'a fait rire. Alors, qui arrivera à faire un slime? Personne pour l'instant. Personne, non, pour l'instant, personne. Presque moi, parce que... Ok, donc c'est parti pour le lancer numéro... Du borax. Des perles à ma pour Océane. Alors toi, tu auras tout mis, hein, alors, sauf les paillettes. Alors voici les perles à ma. On dirait qu'on n'a pas de borax. Alors toi, t'as déjà la colle, la mousse à raser. Ça peut faire du slime, la mousse à raser avec du colle, de la colle, parce que c'est un activateur quand même de slime. Mais je pense pas qu'il y en ait suffisamment. Je vais essayer d'en mettre beaucoup des... Non, pas trop, parce que déjà les orbites, il y a déjà des orbites. Non, mais des ratios. Des ratios? Ah, je veux des ratios, moi. On y reprend tout ça. Et voilà. Voilà, on va voir. On sait, elle en a mis à l'intérieur. Bon, j'en ai mis une. Ok. Donc, on continue avec Corentin pour le sixième lancer. Tu me dis quand t'es prêt? Top. Pas de colle. Encore une fois des paillettes argentées. Pas de chance, loulou. Je sais pas si tu auras la chance d'avoir de la colle ou du borax. On verra. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est qu'un jeu après tout. Hein. Après, on y va. Après, ça avait quand même deux fois que je tombe sur le même truc. Alors, toi, t'aimes bien les paillettes. Hein. Tu vas te transformer en paillettes. Ou en petite étoile filante. Ok, donc on continue avec le septième lancer. Ça fait beau avec le rouge.
Fais voir. C'est le bois avec le rouge. Waouh, ouais, c'est joli. Alors, on continue avec le septième lancer de roue avec Océane. Donc, tu me dis stop. Stop. Pas de borax, pas de borax. C'est le borax, c'est le borax. Pas de borax, pas de borax. C'est le borax, c'est le 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 borax. C'est le borax. Des paillettes roses. Yeah, des paillettes roses. Au moins, j'aurais du rose dans le sein. Ouais. Mais t'as déjà mis du rouge en plus. Voici les paillettes roses pour Océane, donc on y va. C'est bon, ça suffit. Oui, parce que un slime. Alors, Océane a énormément de choses dedans, mais. Moi, c'est la loose. Toi, c'est la loose, ouais. Alors, on avait dit combien? C'était 7ème, hein, c'est ça? Oui. Alors, 7ème pour Corentin. Ah, tu m'as pas dit stop? C'est bon. Hein. Mais ça va, hein, j'ai tous les trucs décoratifs depuis tout à l'heure. Juste... Alors, des éponges pour Corentin. J'ai pas trop. Alors, attention, il ne vous reste plus que deux lancers pour avoir Corentin, toi, le borax et la colle. Pour moi, t'es de la chance, Océane, le borax. Hein. Avec de la... du borax et de la colle. Quatre, ouais. C'est tout. Ok, bon, bah, si tu veux. Quatre petites éponges dedans. Ok, donc, 8ème, et puis on verra. Si on n'a pas de slime, on verra si on continue ou pas. Donc, top. Et si on n'a pas de slime, moi, je peux faire le slime. Moi j'ai pas de colle. Je veux pas que ce soit argenté. Top. Merci Louloute. Allez, on continue. Donc top. Pour ce 9ème lancé. Ok. Ça va vite être pour Antoine. Bon, oui. Ok, bon, on y va. Tiens, colle blanche pour toi. Tu peux y aller. Océane, il manque une borax. Ça suffit là, non? Ok. Donc, on continue avec le dernier lancer pour Océane. Alors, t'as intérêt de voir du borax. Hein. Borax. Pas de borax. Et des paillettes roses. Oui. Paillettes roses. Moi, ça revient pas. On va quand même essayer de mélanger après voir si ça fait du slime. On ne sait jamais. Et moi, qu'avec de la colle, ça peut en faire. T'en avais déjà mis tout à l'heure, je crois, du rose en plus. Ouais. Je mets trop beaucoup là. Bon, ça suffit là. Ouais, parce que ça en fait beaucoup quand même. Hein. Ok, donc Océane normalement a terminé. Elle n'a pas eu le borax, mais on va mélanger. On verra ce que ça donne. Et puis, mélanger. Oui, bah tu peux mélanger. Et puis, Corentin, dis-moi, vas-y. Top. Oh là, ça fait beau. Ah, ça fait un peu rose, regardez. Non, c'est pas du thé, hein. Et encore une fois de la colle blanche. C'est du rose. Regardez, ça fait du rose. Tiens mon loulou. Et moi, est-ce que ça peut en faire? Ça fait du rose. Ça peut en faire ou quoi? Ben je sais pas, vas-y, rajoute de la colle blanche, je pense. Ça peut faire du... Ça fait du rose, regarde. Je pense que c'est bon là, mon loulou. Ok, bon, aucun des deux n'a eu le borax. Alors on va mélanger, donc on peut dire qu'en fait ce challenge, ben, il est un peu raté. Enfin je sais pas, vous allez mélanger.
Et puis je pense que quand même, on mettra quand même une pipette, enfin un peu de borax pour faire le sème quand même, pour montrer un peu à quoi ressemble quand même. Bah après, de toute façon, c'est le plus joli qui gagne. Alors du coup, après, c'est le borax. Voilà, donc là, il y a match nul pour le moment. Et je pense qu'on rajoutera du borax dedans. Maman, c'est un peu rose, regarde. Ouais. Ah bah oui, c'est rose. Rouge et blanc, forcément. Ah bah moi aussi. Et toi, ça ressemble à quoi? Toi, ça ressemble à rien, Loulou. Donc vas-y, on mélange bien. On mélange. Ça y est, c'est bien mélangé, donc on montre un peu au copain à quoi ça ressemble. Oui, mais moi, ça ressemble plus que de la pâte à gâteau. Hein. Alors, Océane nous a fait une pâte à cookies, voilà. Donc, quoi ça ressemble? Donc, ça ressemble pas à du slime du tout. Et moi, ça ressemble. Je peux vous montrer, d'ailleurs. Voilà. C'est pas du tout du slime, c'est de la, du boogie boulga. Et courant ça, alors lui, c'est encore pire. Mmh. Alors, lui aussi, c'est rose. C'est marrant, vous êtes tombés sur du rouge, tous les deux. Donc, du coup, vous avez tous les deux du slime rose. Et toi, c'est plutôt liquide. Donc moi, je vous dis que vous êtes ex aequo, parce que là, il n'y a aucun slime. Donc pour vous départager, je vous accorde de prendre du borax chacun. Donc je vais vous donner 4 pipettes chacun. Et vous allez pouvoir faire votre slime. Je pense que les copains dans les commentaires, vous pouvez dire si vous êtes d'accord. Parce que là, bah, y a match après, il y a match nul. Alors du coup, on va voir avec le borax quel est le mieux formé. Oui, voilà, c'est ça. Alors par contre, voilà, il y a 0-0. Hein, mais bon, là, on va voir lequel est le mieux quand même. Quand même. Parce que c'est bête de gaspiller tout ça quand même. Moi aussi, je ne pas. Je pense que vous pouvez travailler ça à la main maintenant. Ok. Parce que ça se décolle bien. Hein. Alors, Océane, on va pousser ça. Il va y avoir plein d'orbis partout. Parce qu'il y en a encore plein la boîte, regardez. Il y a plein la boîte. Oui, mais ça, c'est moi, je n'avais pas mis des orbis. Non, toi, tu n'en as pas mis. J'en ai mis une dans sa boîte. Océane, c'est la catastrophe. Oh. Oh, on n'a pas le droit. Tu veux travailler à la main, Loulout? Elle a triché, elle a mis un orbise. Ah, tricheuse. J'en ai cassé une dans l'orbise. Ah, c'est pas grave. Alors, fais voir un peu ton sein qui a travaillé à la main. Bah, il est pris, il a pris, c'est bon. Ah, tu veux voir un peu? C'est pas très beau. C'est pas très beau. Mais oh, mais qu'est-ce que t'as foutu? Ah, fais voir à quoi il ressemble. Partout. Fais voir un peu, tu me montres ton slime un peu à quoi il ressemble. Ouais, moi, il ressemble à pas ça. Terrible. Le mien, il est beau. Ah ouais, il est vraiment pas terrible. Le mien, il est beau. Les amis, voici le slime d'Océane. Alors, par contre, écoutez, écoutez, non, écoutez. Mais arrête, tricheuse. Écoutez, écoutez. Quoi? Il pète bien. Elle triche, Océane, elle me met plein d'orbis. Océane. Et voici le slime d'Océane. Alors, mais il est juste. Ça sert à rien, mon slime, ça va pas dedans. C'est quand on a mis les orbis. Par contre, quoi. Il est trop rigolo. Je les vois. En fait, il est super agréable à toucher parce qu'il y a du mou, il y a des orbis, il y a des éponges à pète, on en met partout. C'est une catastrophe, mais il est pas mal. Maman, elle en a plein aux mains et pas ouais, moi. J'en ai plein aux mains, regardez les amis. Donc, je vais rendre son slime à Océane. Mais il ne colle pas beaucoup aux doigts, donc c'est bon. Moi, c'est validé. Et regarde, moi, il est validé. Il est validé. J'adore ce slime. Oh, il est vachement plus clair, le tien, du coup, parce que... Je sais pas, c'est bizarre. Ah, t'as mis moins de peinture, peut-être. Oui, moi, j'ai mis moins de peinture. Ressemble un peu ce slime, tu montres un peu au copain. Oh, il est plus beau que le mien, c'est juste content. Alors, fais voir. Oula. Les orbis, c'est des orbis. Alors, ah, mais parce que toi, t'avais de la colle blanche. Oui, du coup, et voici celui de Corentin, qui est à peu près pareil qu'Océane. En fait, lui, là, il a 4 morceaux d'éponge. Il a beaucoup plus de paillettes. Les paillettes, on les voit pas trop, hein. Quel est le plus beau? Voilà. Donc voilà. Et puis à l'intérieur, bah, il a plein de perles d'orbis. Quel est le plus beau? Non, perles là-bas. Alors, ils se ressemblent. Je suis sûre que c'est celui de Quentin le plus beau. Alors, le plus joli. En termes de couleur? En termes de couleur, je trouve que c'est celui de Corentin qui est plus clair. Est-ce qu'il pète dans les mains? Alors? Ouais. C'est celui de Corentin, mais par contre, le plus surprenant en fait en texture, c'est celui d'Océane parce que les éponges, les perles, les orbis et tout, c'est ce qui le rend très très rigolo en fait. Donc les amis, mais le plus beau dans les commentaires. Alors franchement, je dis qu'il y a ex-aequo. Voilà. Moi, je dis que c'est celui de Corentin parce que on voit moins les perles à main, les orbis, alors ça fait vraiment un vrai slime. Tiens, d'ailleurs, t'as des perles à main de ton slime. Les amis, dites-nous dans les commentaires quel est quoi votre slime préféré et qui a marqué le point selon vous. Alors, bah dites-nous dans les commentaires, on vous attend. Et puis, bah dites-nous aussi si vous allez faire ce slime. Regarde, il est beau comme ça. Il est trop trop beau en fait. Ah, on dirait... Il est trop beau. On dirait le slime rouge là d'Halloween, tu te souviens qu'on avait fait?
Ou ça a été une cata. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi j'avais fait un noir. Dites-nous vraiment si ça vous a plu, si vous avez déjà fait ce challenge. Puis aussi, si vous voudriez une autre vidéo, un autre challenge de ce style, pourquoi pas. Dites-nous tout dans les commentaires. Beau, celui, je pense. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et moi, je m'amuse à jeter des zombies. Ah non, moi, j'ai pas des zombies. Et d'ailleurs, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant, que vous êtes abonné, vous avez activé la cloche de notification, mettez dans les commentaires hashtag slime challenge. Voilà, hashtag slime challenge. On vous fait des gros bisous, les amis. On vous laisse parce que là, je suis en train de me faire attaquer par des zombies. Je vous fais des gros bisous et on vous dit ciao. Oh, regardez, bulles là. Parce que j'ai mis des éponges, ça fait des bulles.